Abonné Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et surtout attachement avec chaîne prédilection. Je dis à nous porter un nouvel épisode pour nous parler histoire, plus précisément massacre. Plus passé 20 000 Haïtiens en République dominicaine en 1937. En pile, on évoquait plusieurs causes massacres, conséquences liées sous population. En pile, on parlait tout de complicité l'État haïtien dans massacre. Côté plus passé 20 000 Haïtiens étaient perdus la vie. Et il y a en pile, on tout qui critiquait l'accord bilatéral Seigneur Vincent et signé avec Trujillo. Côté que l'État haïtien était accepté pour prendre yon somme de 750 000 dollars comme dédommagement. Yon l'argent qui est en pile dans la victime par rivière. Pour nous parler des sujets, madame, monsieur, nous avons bien avec le professeur Wesley Emmanuel, qui est ancien sénateur de l'Ouest, qui passait de présentation, qui est auteur de plusieurs manuels scolaires. Alors, ou même qui est nouveau sur la chaîne, pas oublier d'abonner, ou même qui est déjà une idée, pas oublier liker la vidéo. Pour nous rentrer là aujourd'hui, c'est grâce avec CP Photographie, grâce avec O-Design, grâce avec NPI Formation Professionnelle, une meilleure école professionnelle qui vient sous terrain. Ou même qui est intéressé à apprendre un métier pour défendre la vie ou pas oublier de passer visiter NPI Formation Professionnelle. Alors, madame, monsieur, ensemble, nous allons recevoir le professeur Christine Emmanuel. Monsieur professeur Wesley Emmanuel, professeur d'histoire, professeur de carrière à la retraite, mais qui en même temps écrit un censé auteur de manuels scolaires. Peut-être vous capable de tenir chance de servir un manuel scolaire hein, de la 7e à la philo. Je dis aujourd'hui, fondamental, 3e cycle fondamental et nouveau secondaire. Et bien, son plaisir pour m'avoir aujourd'hui, nous avons un entretien, un échange sur un événement tragique qui était passé dans la zone frontalière entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Un véritable génocide, le massacre, l'assassinat de près de entre 10 000 et 20 000 Haïtiens. C'est une tragédie que peuple haïtien connaît durant son long martyr aux loges, son peuple qui subit un pile mati, son peuple qui ouait un pile mauvais bagage, qui vivent un pile mauvais bagage. Et cet événement tragique, c'est un événement sérieux que le peuple a vive, tant qu'il continue à vivre tout. On va me parler de contexte massacre directement. Une évolution. Ouais. Comment la République dominicaine vient la République dominicaine et comment elle former, avec quelle tradition, avec qui ensemble de problèmes, qui ensemble de valeurs, qui ensemble de non-valeurs, tout, culturel. Pas oublier que la République dominicaine, c'était la colonie espagnole. Bon fait pour pas oublier. Tout le monde, l'autre petit monde, l'autre dans le 7e, ou étudier lui, ou bien en primaire, ou étudier lui, Las Casas protecteur des Indiens. Parce que l'Espagne est arrivée, il y aurait dû Indien en esclavage. Las Casas qui est ton prêtre, qui était remis Indien en pile, pour le protéger, lui proposer pour eux, voyez chercher des nègres en Afrique. Voici l'arrivée des premiers Noirs africains. Comment les premiers Noirs sont arrivés sous terre Sahara, n'est-ce pas, alors colonie espagnole. On est arrivé, ils n'ont pas accepté, depuis qu'ils arrivé en 1503, ils n'ont pas accepté l'esclavage. Et ils ont pris mon pour eux. C'est le même moment ça, le cacique Henri tape gourmet contre l'espagnol. Il a mélangé à tout Henri, il a aidé Henri à battre l'espagnol. C'est le premier accord traité qu'a pas signé entre l'ancien monde, l'Europe, et le nouveau monde, l'Amérique. Le traité signé entre Cassic Henry et les Espagnols. Mais dans le traité, ça, l'élève étudie, mais je n'ai pas de souvenir pour l'élève. Il a écrit noir sur blanc. Nègre qui t'a aidé, indien, il n'a pas fait traité. Il n'a pas de liberté, il n'a pas d'avantage.
c'est le premier acte d'ingratitude, mais qui peut traverser l'histoire. Je ne sais pas si plusieurs cas comme ça, je vis moi-même tout. Vous comprenez, moi, le peuple, je suis chef, et après, c'est une victime. Moi, vivant, les Daniel Fillon, les présidents, ils mettent la tête, des habités Bel Air, comment ils massacrent le peuple, ça. Donc, son ensemble d'événements traversés, l'histoire d'Haïti, événements tragiques, et parmi les événements tragiques, on vient évoquer aujourd'hui, le massacre qui est fait sur Haïtien, et on pose mon question, dans quel contexte vous faites. Ce n'est pas pour rien que je me rappelle que, depuis Espagnol, okay. Parce que Espagnol, c'est eux-mêmes qui commençaient avec système esclavage souterrain et système de mépris vis-à-vis des nègres et vis-à-vis surtout des nègres esclaves. Ouais. Donc, son héritage de la colonisation espagnole. Et héritage après passé par la colonisation française. Et Negio pour le subir, ou pour moi, ça moune pas doué subir. D'accord. Mais ça pour le passé, vous n'avez pas oublié que histoire, l'autre bois, esclave boycio. T'es un esclavage dans l'Est, t'es un esclavage dans l'Ouest. Mais ils n'ont pas la même forme d'esclavage. Ils ont adopté un système surtout de grande habitation, côté, ils ont fait élevage, ils ont fait ça. Les esclaves, ils couchent en bon pied bois, ils ont su bêfio, ils ont su bêtio. Les patins courts, esclaves nègres, esclaves haïtiens, esclaves d'Haïtiens, qui les mêmes ont emmené depuis 5h du matin. À 6 heures pour le suspendre, pour la chasse qu'on manger, il a quitté le petit Bali, au bon moment. Donc, il pas connu ça, l'esclave l'homme. Bon, ici, tu connais. Et c'est pour être ça. Résistance qui vient bon ici, pas de gagner l'autre bon. Pas de gagner l'autre bon. C'est ainsi que, vous parlez, au cours de l'histoire pays, non? Comment, tu as des marronnages, un grand chef marron, parmi les marrons, on a gueulé Santiago. Li, c'est le premier nègre qui signait un accord avec ambassadeur d'Espagne et ambassadeur de France, côté il reconnaît comme libre et tout nègre qui a goûté avec lui. Et même il y a même chef de marée-chaussée. C'est un nègre solide, il y a une carte-tête goûté. Donc, il y a une tradition de lutte. Au moment où on va passer pour tomber dans Macandal, ensuite pour tomber dans Bookman. De Bookman, nous pouvons traverser pour tomber dans Toussaint l'ouverture. Étant donné que la France et l'Espagne sont en guerre et que l'Espagne perdu la guerre, l'Espagne cédait l'Est à la France. Or, comme Napoléon qui était chef en France, tu as vu un projet pour venir reprendre Saint-Domingue en main, chasser Toussaint et rétablir l'esclavage, Toussaint qui si l'armée française venait, la jambe de l'autre bord d'abord, c'est pour y aller. Il dit, je vais occuper la partie de l'Est. Et là, il va le premier acte posé. Il a aboli l'esclavage dans la partie de l'Est. Oui, mais le genre de rapport, il a posé l'autre acte important. De Saline venait arriver. Hein? De Saline te dit, la mer pour frontière. La mer pour frontière de l'Est à l'Ouest. Donc Dessalines parle d'entreprendre la campagne de l'Est. Mais à partir de Dessalines, bon bagage me soutenir moi. Espagnol le guetta dans l'Est. Espagnol le guetta maintenant tête nègre qui n'a monde qui dans l'Est. Yo, on s'est de vieille idée. Un. Depuis nègre monde qui dans l'Est. Yo, yo dit eux-mêmes, yo de race blanche et yo c'est ou bien yo hispanique. Et ça a une petite couleur, ils dit d'origine indienne. Ils n'ont pas d'affaire noire même. Ils n'ont pas d'un monde noir même. C'est ça qui a traversé la partie de l'Est. Ouais. La partie de l'Est a suivi un courant. Raciste d'abord, supériorité du blanc, nègre inférieur. Ils ont même écrit, ils ont dit carrément, nous-mêmes, nous blancs.
Nous attachés à la religion catholique, nous sommes chrétiens. Or, de sa ligne lui-même, qui vient pour l'indépendance, qui ça le dit? Tous les Haïtiens seront désormais connus sous la dénomination générique de noir. Il est fier pour dire noir. L'autre bon, vous comprenez? Il est fier pour dire il est blanc ou bien il est indien. Mais il n'y a pas noir. Ouais, ça vient de bas deux bagailles sous plan ça, romain, racial, supériorité raciale de côté, égalité raciale de l'autre côté, ouais, il y a un conflit. Ouais, c'est une qui a traversé la partie de l'Est, qui a pas mené non dans le contexte que nous parlons rivière, contexte de massacre. Ça, c'est une. Monsieur Espagnol, Monsieur Lesio, ils ont entré dans la culture de la canne. Ils n'ont pas voulu chercher travailleurs haïtiens. Ils prennent des travailleurs dans le Tianti. Il y a une loi là-dedans, mais avec même préjugés, même bas. Mais en 1915, c'est l'occupation américaine. Américains occupés et l'Est, et l'Ouest, et Dominicani, et Haïti. Américains pour accélérer la production de sucre. Il y a une usine en Dominicanie, il y a une usine Cuba, il y a une usine Nicaragua, et puis ça veut dire pour Haïti. Haïti a une main-d'œuvre. Vous voyez, on a vu les gens au travail, on va vous négatif pas qu'à priver. Au moins, on va priver jusqu'au massacre. On a Haïti a besoin de l'autre bord. Haïtien lui-même. Il a apprécié pour force de travail. Il a travaillé du matin au soir, habitué de travail. Et ensuite, il va rendre cher, il va rendre un paquet de pommes. Il a apprécié, il a exploité le château. Mais en même temps, on ne peut pas oublier les Haïtiens, comment dire. Ils vont côté là, pour côté à vous, pour du tout. Ils ont parité dans la bâtie là, qui sont habitués sous plantation. Il y a une ville, il y a un départ, il y a un calme dans la maçonnerie, etc. Il y a un job dominicain. Ça peut créer de petits conflits tout en dominicain moyen. Mais en gros, moi-même, personne n'a pas de ça. C'est l'élite dominicaine, mon leader qui cultivait le système de préjugés. Dans le gros peuple, pas tellement que ça, mais au fur et à mesure, les choses ont passé. Et l'immigration en ville massive, un paquet haïtien en jambé, ouais, même parfois dominicain moyen, entré dans le système. Là. Et puis, ça a arrivé, beaucoup d'Haïti, nous avons Stenio Vincent comme président, nous avons gagné Toyo comme président de l'autre côté, nous avons que Stenio Vincent à Toyo. J'ai presque cocotte à Figaro. Toujours te joué un gros rôle dans la nomination de Vincent comme président. Toujours te prêté Vincent comme époque Vincent a fait pas trop bon. Ouais. C'est l'époque côté qui est le président en Haïti. L'Église catholique, américain. Avec la République dominicaine. Les vit trois pays, ça y est, le même monde qui est président d'Haïti. Et next, ça y est, moi, les bornos, pour arriver à l'ESCO, tout le monde, ça y est, passé dans le monde, ça, c'est américain, Toyo, ou moins, l'Église catholique, qui a mis. Quoi comprendre, les 11 jours, le peuple avec ton monde, comment ils vont aller au monde, ça y est, après, ils fait la terre, ils massacrent le monde, ça y est. Donc, il y a un problème là. Oui, il y a un problème ça. Ici, en pile, il y a un Dominicain qui écrit, n'a pas assisté à un phénomène de haïtianisation de la Dominicaine. Haïtien pour payer un homme. Et comme ça, oui, il y a un travail, au moins. Donc, l'émigration massive, là, il y a une cause. Ben, mais l'autre cause, on ne pas oublier, sur le plan culturel, sur le plan religieux, nous n'avons pas la même tendance, nous n'avons pas les mêmes gens. Hein? Il y a une fière de sa négritude, l'autre la fière d'être blanc,
mais tout bas ça vient mettre ensemble comme ça. Yo vinn parler par exemple bon l'autre yo al non ti village en côté moun a plein haïtien vol affaire voler poule voler manger ou ça yo alors c'est les ça tout yo dit bon après des problèmes non autant de tel côté yo massacre tout monde tel autre côté yo massacre tout monde etc. Soldats surtout avec manchette bâton. Moi-même, ma le massacre a fait en 37. Ouais. Moi, dès que j'avais un an, une défaite. Mais... L'Evgué, 13, 14 ans, les rescapés du massacre qui en Haïti, ils vivent avec eux, dans le plateau central. Ouais, ni tes filles, ni tes garçons. Ils racontaient l'histoire, comment papa a sauvé. Le nouvelle consul haïtien l'autre bord dit massacre, gros massacre, les avertis Vincent. Vincent fait comme s'il ne comprenait pas. Et puis on joue là, il est dans la machine, c'est un blanc, ou avec étape conduite machine présidentielle là. Bon, monsieur, monté mon, fait mauvais coup de vol, monsieur, on a peur, tout le bazar. Ou pas, monsieur, allez. Mais il a minimisé l'importance du massacre là. C'est quelques mondes, et trois mondes. C'est commission qui formait international les nouvelles là, et même la presse. Et puis ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont demandé qu'on y ait là pour la République dominicaine, par réparation. Au moins, pour faire pour arriver à entente avec Haïti, au moins, il faut pas changer, il ne faut pas comme ça. Vincent Baye. Commission ça a plus mauvais quoi. Il parle dans la commission, il fait un accord bilatéral avec tout le monde, il a un papier, et puis il a fait son corps. Il y a des livres, par exemple, pour un Suzy Castro, ou un Dominicain, il y a un Dominicain qui écrit sur ça, ou un Franklin Franco Pichardo, ou un Leslie Père. C'est livre recommandé pour élèves, pour voir comment. Justement, au moment pour complicité haïtienne et pouvoir dire haïtien comment ou joindre de responsables haïtiens à tout de monde que parfois on prend pour grand monde, pour grand nègre. Tu es touché, tu compares au sous-côté. Tu as remarqué dans le livre Histoire Panne, on a une citation de Dumas Estimé. Côté estimé, estimé son gros président. Ouais, j'ai sous-estimé une bonne presse l'école. Estimé fait bicentenaire, estimé ici, de l'autre bord. Moi, je suis connu, j'aime toujours mes estimes. Ouais. Mais, je regardais, il semble que estimé était tout gentil comme tout. Et estimé lui-même écrit, je reconnais que l'enfant que je fus, fut un monstre. L'aime petit politicien, l'aime petit politicien, un monstre, mais une bonne vie et contrat, dessiné, etc. Moi, j'étais à vivre dans le même cas avec des rescapés. Bah, je me connais. Papa, t'es toujours dans le jardin. Papa, je me connais que j'étais dans le corps. Mais c'est pas un problème. Mon qui est avec Vincent, c'est pas un problème. Yo, dans le jardin. On dit phénomène racial là. On dit phénomène culturel là. Et nous, même ces blancs, les catholiques, nous même nos religions primitives, avec ça, bon bah, il a fait ma carte, etc. Au moins, mais nous dit que à partir surtout de l'occupation américaine, nous moins on a immigration massive, les haïtiens débarqués sur eux, les haïtiens, bah ils ont écrit, c'est la haïtianisation de la République dominicaine, bah ils ont. Demain, phénomène raciste là, nous ne pouvons pas gagner. Témoignage poignant de Louis Hayhel, sûrement correspondant d'un journal américain, Journal des Presse. Le 2 octobre, 150 Haïtiens ont été tués. Ils ont tué 150 Haïtiens le 2 octobre.
Yo jete corps dans la mer, à monter Christ. Et ce fait annonçait le massacre qui se produisit plus tard dans la prison de Monte Cristi, qui était remplie d'hommes, de femmes et d'enfants. Les soldats dominicains s'enivraient pour se donner du cœur à l'ouvrage. Puis on leur ordonna de commencer à entrer en action, encerclant les Haïtiens. Ils les amenèrent à Dajabón par groupe de 150. Et là, ils leur dirent qu'ils ne pourront pas traverser le pont tous ensemble. Ils ne peuvent pas traverser tous. Ils sont tous ensemble. Ils sont séparés. Ils sont menés par groupe de 6 dans le bois. Et puis là, un soldat armé de manchettes, de gourdins et de couteaux, hein, c'est eux-mêmes qui peuvent frapper, au moins moins couper tête, au moins moins et haïssé ça. Ils sont obligés de faire lever bras droit et on les tua en leur passant violemment des fourches à travers le corps. Lever bras droit, on fourche à travers le corps. Les enfants furent transpercés à la pointe des baïonnettes et projetés en l'air. Ça, c'est étranger, oui, pour témoignage. Mais témoignage, ont haïtien. Haïtiens ont rescapé. Les Marguerite Pierrot, la nuit venue. Après en avoir terminé avec les hommes, ils ont fini de tuer toutes les guides là. Ils s'en sont pris aux femmes. Ils nous ont attachés par groupe de 6 et nous ont conduits à un bois, dans un bois, pour nous tuer à coups de manchette. Mes liens se sont détachés. Quand j'ai quitté ma remnant, on t'y j'ai enlevé une lâche. Moi, je me suis sorti comme là-dedans. Je glissais, je suis tombé dans le trou. Mon enfant s'est mis à pleurer. Un soldat s'est approché et là, et l'a décapité avec une manchette, il coupait la tête là avec une manchette. Me voyant la tête en bas, comme il était tombé dans tout, tête en bas, je comprends qu'il mourit, je bats un coup de pied, je vois plus loin, ça fait le vivre. Cette nuit-là, j'ai perdu, je perdu une nuit de ça, je perdu 9 petites, moi. Je perdu mari, moi. Je perdu plusieurs belles sœurs, je gagne. Leurs 3 enfants, belles sœurs, je gagne 3 enfants, je perdu eux et je perdu maman. Mais scène qui t'est passée, etc. D'accord? Donc, son événement, bon, naturellement, pas de réaction. Même du côté des militaires haïtiens, pas de bon complot pour jeter Vincent. Je demandais Vincent réagir, protester, réagir violemment, en nous prenant les armes. Vincent lui-même, son nationalité, c'est un parti nationaliste anti-américain. Et puis il vient le pouvoir changer, il vient sous l'Amérique. L'homme au pouvoir n'est pas l'homme aux abords du pouvoir. Vous comprenez? Tu as de bons rapports en Dominicain. Oui, Dominique est moyen dans la zone. Je n'entends pas moi qu'on y a. Parce que je n'entends pas, qui va changer? Il y a un accord qui signe en 1952, si je ne me pas trompé. Dans l'accord, ça, on a voué officiellement haïtien à couper quand en Dominicanie, les bras c'est où? Avec ça, ou un camion. C'est un ensemble de naïfs qui était un camion, il y a des Saint-Charles Borromé, qui mettait tout le monde en camion. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un nègre qui était responsable du voyage. Nègre, on a monsieur dit, il y a un camion vide. Camion vide là, si au cours de route, il y a un haïtien isolé pour contre lui. Il y a des trois nègres, gros nègres, pour un monsieur qui est marié, monsieur mettait dans un camion. Il y a une habitation, il y a 20 nègres, ça comme ça. Ça, c'est dans la période, tout du Valier, tout ça continue, etc. Jusqu'à ce que sous Duvalier, peuple, sous Aristide, le peuple a vu que la mentalité était changée, il a demandé l'autre changement, il a dit couper, à faire, à le couper comme dans la République dominicaine. Il a quitté le professeur, ça n'a pas gêné rien, pour y aller dans l'affaire sociale. Il y a toujours un petit corps pour enregistrer le nom haïtien qui n'a pas le couper comme. En Dominicaine. On voit que jusqu'à présent, il a coupé tête nous, il a coupé coup de tête nègre, jusqu'à présent. On met n'importe qui. Bon, bah, qui fait passer là, on est qui veut en fier les. La fait jalousie pour Marie. Il peut on est pour tuer Marie, on va comme ça. Marie a fait, au lieu de tuer Marie, qui est un haïtien, il tue un dominicain.
Puis, mon a sauté l'église victime, haïtien qui a sauté l'église victime, haïtien. Donc, comment le bail a passé? Jusqu'à présent, le problème qu'on y a pour y ça, par exemple, allez, on chante, on doit haïtien, on a chanté. Et pas pour grand, mais si on va sauter pays. Le problème, là, c'est nous pour résoudre. C'est nous pour résoudre, à faire exclusion que depuis tout, c'est nous gagner. On va pas oublier l'affaire Moïse. Pas oublier les règlements de culture, de Toussaint, de Dessalines pour arriver, etc. Pas oublier même le roi. Moi-même, dès qu'on gouvernement, l'ESCO, est-ce qu'on comprend? Côté m'a regardé, monde qui se trouve, monde en dehors, monde la ville là. C'est depuis le code rural, oui, de Dessalines, on est bas ça. Monde en dehors, pas qu'il doit venir la ville. Moi-même, a arrêté pour y aller. Et puis le lieutenant vini, Gonaïve, il met un petit muret, il faut mettre plus haut, craser son tête plus haut. Mais il m'a dit, non, je m'amène à l'hôpital. Ou le mène, mon n'a qu'un pied, il m'a un coup de pied, il m'a allé. Moi, il m'a joué, il m'a dit, je voulais mener à l'hôpital. Papa m'a travaillé à l'hôpital, la pensée, m'a mené mon à la pensée. C'est pour que bon grand ensemble de bagailles qui a passé et qui continue à passer. 1937 massacre, j'étais déjà fait depuis un an. Donc moi, j'ai en pile expérience. Moi, je fais une carrière politique, je fais une carrière syndicale. Je fais toute l'école, j'ai un petit job dans la compagnie électrique. Et puis, je viens de monter un syndicat. Donc, le premier contrat de travail entre le patron et l'ouvrier, c'est que le syndicat maintenant, moi, j'étais secrétaire général qui était esquissé en Haïti. Ouais. C'est pour montrer l'expérience que j'ai fait. Moi, un pile haïtien qui était là, qui a fonctionné, qui a un bel discours, une belle parole. Et puis, une fois que j'ai un pouvoir, ouais, il fait juste le contraire. Moi, même si j'ai un mot pour me dire, avant toute bagarre, que chaque grand haïtien change. Pour changer, comment pour changer? Changer soi-même en priorisant, en prenant comme priorité l'intérêt collectif, l'intérêt général. Nous pas jamais mettre intérêt collectif, nous pas jamais mettre intérêt général là. C'est ça qui fait massacrer le monde, c'est ça qui fait chercher bon pouvoir pour intérêt pas nous, intérêt de trois amis et non pas pour intérêt pour tout le monde. Tout le monde dit bon, nous avons intérêt collectif, il y a le pays, là, le pays est dans la boue, dans l'indignité, tout ça, tout le bail, ça y est. On nous met le pays à sous pied. On nous fait respecter Haïti, respect que le doué dans le monde. On met Haïti qui était fait en 1804 là. Haïti qui était allé de tout l'autre peuple. On nous met Haïti ça à camper pour nous faire respecter Haïti. C'est ça qui a la vaut en sens. C'est pas parce qu'on n'a pas 4 millions à bien pour manger, après ça, on fait sucre. Faire tout le vieux malade ou mourir, et pour quitter un pays fini, hein, ou liquider un pays, pour chaque nègre changer, pour chaque haïtien changer, mais en priorisant, changer en priorisant l'intérêt collectif, l'intérêt national. Eh oui, madame, monsieur, c'est la fin. Nous connaissons que vous avez envie de plus pour suivre plus de bagages sur l'histoire. Mais malheureusement, nous sommes obligés de prendre congé de même pour aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour un autre épisode inédit d'Entretien 2000. Mais juste avant de nous aller, dans le prochain épisode, ça a été fait possible grâce à CP Photographie, au design et surtout NPI Formation Professionnelle. J'en ai dit déjà, si vous avez besoin de prendre un métier ou défendre la vie, ou pas oublier visiter NPI Formation Professionnelle. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Restez sur la chaîne.